Et bonsoir à tous, à toutes, je vais saluer quelques-uns et quelques-unes. On va normalement devra avoir la présence de Jean-Benoît Fitness, mais ce n'est pas ce qu'on va voir. On a d'enfants, c'est qui nous passe en France. Alors merci à ceux, aux habitués et aux moins habitués d'être présents ce soir et en vue de l'organisation. On ne sait jamais, c'est la 32, la 33. Il faut qu'on ait des médecins, la 33e élection, parce que. Voilà, effectivement, chaque année, on fait cette réunion des filles. Je pense que c'est très important, là, pour ceux d'entre vous, et peut-être nombreux, qui avaient l'habitude de participer, de collaborer, de coopérer avec nous pour cette. Magnifique manifestation qui est couronnée de succès et de réussite chaque année. Néanmoins, c'est bien une fois par an de se redire un petit peu, de se redistribuer toute l'émission, d'être au courant de tout ce que tout le monde fait, c'est aussi très bien. Alors, on est très nombreux, on ne peut pas tous se voir le jour J. Donc c'est bien de se voir au moins pour préparer cette organisation. Finalement, pas plus d'un mois, c'est dans un mois. Et que ce mois va aller très très vite. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus, je vais laisser la parole aux techniciens. Et encore une fois, vous dire que ces manifestations, si on les coordonne, si on les organise, elles se font grâce à l'ensemble des gens qui donnent la main, qu'ils soient bénévoles, vacataires, partenaires, sponsors, intervenants extérieurs ou mon équipe de la direction des sports et plus largement de la direction des sports, des solidarités et d'éducation, puisque j'emmène tout le monde avec moi, pour que ce soit une vraie fête. Au cas particulier, un petit message particulier ce soir pour vous, bénévoles, qui êtes au rendez-vous comme chaque année. Donc merci par avance. Et maintenant, on va travailler un petit peu. Voilà. Allez. Merci Vincent. Donc oui, comme je l'expliquais Vincent, on va avancer. Je vais essayer d'être concis et de travailler un petit peu sur les différentes tâches qu'on aura à tenir. Et je vais vous présenter un petit peu l'événement. Comme disait donc la 33e édition, le bloc maintenant désormais à 5500 participants sur les deux courses. Donc on va situer, l'an passé on était vers plutôt 5200, je pense qu'on sera à peu près à ces alentours-là cette année. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on essaye de développer un petit peu tout ce qu'il y a autour. On garde 2300 jeunes, cette année ce serait plutôt 2500. Donc vous voyez le programme, hein, donc, on a monté depuis quelques années avec Guy par exemple la rando, la marche nordique. Donc ça c'est bien, et là-dessus on va essayer de petit à petit monter parce que, à mon avis, sur le ski et les foulées à plus de 5500, ça devient pas très raisonnable, tant en termes de sécurité qu'en termes de confort, d'accueil du coureur, etc. On arrive quand même au programme des sports, le programme des sports on est déjà un petit peu attaqué quant à la sécurité, la jauge maximale qu'on peut accueillir. Donc là on ne peut pas trop dépasser, par contre sur ces événements-là, comme le footing nocturne le soir, comme les deux randos, pourquoi pas les coucher jeunes, il y a peut-être encore la possibilité de prendre quelques participants en plus, hein, sachant que l'an dernier, sur l'ensemble de l'événement, on frôlait les 9000 participants sur le week-end. Donc l'objectif de 10 est tout à fait lucide et envisageable, sans pour autant que justement on enquête sur le confort de chaque participant. Hein. Donc si on prend l'organigramme, hein, donc les courses jeunes de vendredi toute la journée, l'ouverture du village partenaire, distribution des dossards, on reviendra sur les horaires, et pourquoi pas des inscriptions de dernière minute. Footing nocturne le soir à 18h, avec quelques petits changements, je vais vous en parler. Une soirée partenaire, parce que bon, ça touche peut-être moins directement, mais évidemment on organise plein de choses pour les partenaires, hein, puisque c'est quand même évidemment le nerf de la guerre et les partenaires privés, on en a de plus en plus. Donc nous, sur la ville de Beaune, on s'occupe de la gestion du budget, et notamment Vincent, de tout ce qui est autour de la course.
vraiment liés à la course, et vos partenaires événements s'occupent de tout ce qui est lié à l'animation autour des courses, que ce soit des groupes de musique, que ce soit les soirées, l'animation pour les partenaires. Voilà. C'est en gros ça, le budget est réparti comme ça, mais que trouver des partenaires, et puis nous, on s'occupe de tout le reste sur la course. Le samedi, donc, la marche nordique à 9h du matin, avec un petit, sans doute connaître, du billet échauffement, etc. Avant. Oui, bien sûr. 9h30, balade sportive, donc là c'est pareil, 300 marcheurs, hein, environ 8 km. Ensuite, 12h30, ça c'est pour les partenaires, ils seront sur la ligne de départ, à la Ténor exactement, et puis il y aura un petit machon avec nos parrains. Je ne peux pas vous citer les parrains qui seront présents, on en cherche encore, on est sur pas mal de dossiers, mais c'est toujours un petit peu compliqué d'annoncer à moi comme ça les parrains qui seront présents. Donc départ des foulées à 13h40, ça ne bouge pas, 14h départ du semi-marathon, 14h30, il y a une étape mythologique, c'est-à-dire qu'on emmène les partenaires avec les voitures partenaires, justement, pour qu'ils puissent voir traverser les coureurs à l'intérieur du château de l'Assaut. 16h30, remise des prix donc, au forum, et puis donc le soir, la volée des partenaires au château de l'Assaut. Le dimanche, on a toujours des amis, c'est confirmé. Vincent, cette année, c'est chez La Tour et moi chez Coche, qui nous reçoivent le matin également avec. Partenaires, avec des membres du comité, voilà, on débriefe autour d'un groupe, pas de plusieurs. Alors, pour les gens du comité, hein, exclusivement, pas pour tous les bénévoles, c'est pas pour, c'est uniquement qu'on attend en place, et donc on fera une présentation du semi-marathon, donc de l'événement au Casino de Santé le mercredi 7, d'habitude c'est ce qu'on fait, cette année ici à Santé, et on fait notre réunion au comité à 18h. Les gens du comité, je leur enverrai une invitation à ces responsables de chaque secteur bien particulier, bien défini. Et par contre, n'oubliez surtout pas d'emmener votre papier d'identité, avant, parce que sinon vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, alors, on commence sur les courses jeunes. Là, on va passer donc poste par poste le nombre de bénévoles qu'on a besoin et éventuellement ce qu'ils ont à faire. Hein, donc, les courses jeunes toute la journée, le référent responsable, c'est Christian Peña, hein, qui gère tout ça, donc qui gère les courses, le programme, les transports, et ainsi de suite, et qui va s'occuper aussi s'il y a donc quelque chose à lui demander. Christian sera le mieux placé. Donc, on a toujours le côté poste incompressible, hein, le petit café pour les profs, parce que le but du jeu, c'est aussi d'être le plus sympa possible. Donc là, on a identifié Martine Brideau qui sera au café avec Emmy. Hein, donc ça veut dire que là, on reçoit les profs, mais aussi on emmène des cafés sur place pour les signaleurs qui sont sur le parcours autour du forum. Pareil, il y a toujours un apéritif prof, parents, élus, etc., avec le CPC, et tout ça, bah, pareil, c'est Roger qui a l'habitude de s'en occuper, on fait comme d'habitude, je l'attends, et puis lui, il donnera un coup de main. Ensuite, à l'arrivée, donc, hein, François Trottiquet va aider tous les signaleurs du lycée Marais, parce que la question, c'est que des élèves du lycée Marais qui sont signaleurs. Au départ, on a qui comme l'an passé avec les profs, si ça fonctionne toujours comme ça. Donc, tu as. C'est long, on va le faire. Faut que tu me donnes ta référence. C'est toi qui as le volet. C'est moi. C'est bon. C'est le patron, hein. Donne la référence à Vincent, je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, je ne connais pas trop en arrière-plan. Et nous, à la remise des prix. Ce sera Arnaud Jacquet qui est là ce soir, qui s'est excusé, mais qui sera là sans problème le jour du suivi. Mise en sac, c'est-à-dire que vous verrez, bien évidemment, il y a la mise en sac pour les coureurs, mais il y a la mise en sac pour les écoles, à Cathy, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais c'est jeudi, il y a Jean-Marc, et puis en général, on verra en fonction des gens qui sont présents sur place. Ravitaillement arrivé, donc le matin. C'est sur toutes les courses, il y a plusieurs courses, donc il y a un défilé d'enfants qui passent devant l'étape. Donc là, c'est Serge qui peut couper le matin. Hein, toi, tu es habitué à l'installation, s'il faut qu'on agrafe, on
on installe tout ça. J'ai marqué Philippe Bateau s'il était encore un film, s'il était encore disponible. Et puis il y avait Joël Tavernier et Marie-Claire. Et vendredi matin à Michel, comme ça on notera, tu diras Catherine, on rajoutera. Et donc là, il nous manque toujours une personne, quand elle a marqué un et deux, c'est qu'il manque une porte-voix, une personne qui peut se mettre dans ce créneau-là. D'accord ? L'après-midi, 13h30, 16h30, eh ben, j'ai remis à Régine qui remplace Serge parce que c'est bon, on va venir un petit peu donner un coup de main. Philippe, Joël, Marie-Claire. D'accord ? Après, il nous en manque encore deux. De regarder ça. Vous vous inscrivez vers Catherine en fonction des horaires que vous avez disponibles. Et puis, on placera tout ça, sachant que, évidemment, à l'issue de cette réunion, une fois qu'on aura vu un petit peu tout le monde, demander un petit peu l'avis de tout le monde, on enverra un mail avec les horaires, etc. En vous demandant aussi, vous remplissez bien l'histoire des tailles, puisque chaque bénévole, en fonction de son emploi et de sa tâche, aura l'équipement de vacances. Voilà, alors le premier dossard, inscription, la référente c'est Catherine Ferreira, qui donc guide un petit peu les courses de cette année, car Mathilde de Bridau qui chapeautait un petit peu ça est en projet maternité, donc elle ne sera pas là, donc c'est Catherine qui s'occupera de tout ça. Le référent prestataire de service, c'est Chronobus, hein, c'est comme les autres, c'est Nicolas Wernberg, qui est plutôt sur la course, donc c'est Nicolas. Et donc on va essayer de s'organiser comme l'an passé avec une personne. Du service, donc la galerie d'excellence qui fait un peu un accueil quand les gens rentrent dans le forum pour leur expliquer attention, les résultats sont là, regardez si vous n'avez pas votre numéro de ça, les foulées c'est de ce côté-là, le Smith c'est ici, parce que pour quand c'est le matin ça va très vite, et donc il lui faudrait une personne, comme il y en a un, peut mettre une personne avec elle, donc là c'est pareil, c'est à voir, c'est essentiellement sur le samedi matin que cette personne-là est importante, sur le vendredi après-midi, à mon avis ça suffit à l'accueil. C'est plutôt le vendredi matin qu'il faut une personne. Dossier litige, donc Sidney Bello sera là, et dossier groupe, à petit chacun qui voilà ce soir, mais qui a l'habitude de le faire. Donc le village, on ne va pas dire le village, vous êtes comme très dossard les inscriptions, ça fonctionne donc le vendredi de 13h30 à 19h, 14h pour l'ouverture des coureurs, mais c'est mieux d'être là à 13h30. Donc j'ai noté Mireille, tout ça, je ne vais pas tous les citer, mais c'est des gens déjà qu'on est sûr d'avoir. Et après, donc il faut remplir, vous avez vu qu'il en manque encore au moins 8 sur le vendredi après-midi, hein, il manque au moins 8 personnes dans le forum l'après-midi. Et pareil le samedi, donc là c'est uniquement le matin. Hein, c'est uniquement pendant 5 heures. Là, il n'en manque plus que 7 personnes hein, pour s'occuper de ça. Donc là, c'est pareil, vous voyez avec Catherine, on essaye d'en inscrire au maximum. Hein. Et puis nous, en fonction, une fois qu'on aura tout calé entre les signaleurs, etc., s'il y a par exemple 39 de signaleurs ou inversement passé, on essaiera de combler pour que tout le monde ait un poste et que personne ne soit sans rien. Mise en sac des coureurs, ça c'est aussi un truc qui est lourd à gérer. Hein, on a quand même 5500 sacs avec un sac caisse d'épargne où il y a une dizaine de flyers avec, je ne sais pas, compote, des choses comme ça. Et puis on a un sac de jour, il y a au moins deux produits à mettre. Ça prend minimum, vous voyez, deux jours. Ça commence, on va commencer donc le mardi 6 et le mercredi 7, on fait ça au Forum des Sports comme on a l'habitude de s'installer. J'ai mis référent Roger Joanneau, tout ce qu'il a l'habitude de faire, et j'ai pas noté tous les autres, donc tous les autres qui peuvent le faire, Fragui, plein d'autres, Michel, je ne sais pas, tous ceux qui peuvent, vous vous inscrivez là, on mange, Jean-Pierre, c'est l'expo, ou je ne sais pas, on mange comme l'an dernier au Forum des Sports, hein, et voilà. Ok, ça vous va? Essayez d'en venir. Je pense que là, pour la mise en scène, c'est vrai que plus on est nombreux, mieux c'est. C'est un petit peu long à faire, hein, je ne vous le cache pas, parce que c'est un sac, on met 6 flyers, on passe après. Ensuite. Donc c'est assez long, il faut les mettre après dans des palettes. C'est là, ça occupe. Hein. Donc là, c'est pareil, on vous invitera à le voir. Le footing nocturne, référent Laurent Vidin. On a un petit souci cette année, c'est le lieu d'arrivée qui ne peut plus être le même que les autres lieux d'arrivée, puisqu'il y a l'inauguration. Non, c'est l'inauguration, non, c'est les trois glorieuses qui sont là-bas, donc nous on ne peut plus utiliser la triomphe de la maison des glorieuses. Et
La tour Marie-Bourbeuf. Donc, le départ et l'arrivée se font au même endroit. Donc, on s'installera sous les Halles, enfin, dans sous les Halles, sur la place des Halles. Donc, il faudra qu'on a. Ça va être un peu plus compliqué, mais New Balance va faire aussi, parce qu'il y aura un destin New Balance où les coureurs s'attendaient sur le footing nocturne pourront essayer des chaussures avec un stand New Balance. Et donc, ils rendront à l'arrivée, etc. Enfin, il y a peut-être un truc comme ça. Et nous, il faudra qu'on installe deux tentes, nos baffes, nos chaises, mais surtout tout enlever juste après. Ça veut dire qu'il faudra les monter une heure et demie avant et les enlever à l'issue de ce truc-là. Des petites tentes de 3 mètres, c'est pas le temps que ça prend. Hein, mais c'est bien savoir que c'est les dames, les ranges, on pose tout ça. Mais bon, ça fait un truc de plus. L'encadrement, donc le départ du footing c'est toujours 18h, l'encadrement est assuré par la police municipale, il est assuré par Laurent qui court devant les coureurs, Vincent qui en général est devant le peloton, qui fait suivre un petit peu tout le monde. Hein. Ce qui serait bien c'est qu'on ait deux personnes de plus, Christian parlait de Yannick par exemple, Christian, qui soit un petit peu sur le truc. Il n'y avait pas fini, c'est pas fini, c'est comment Pierre, c'est bien là. Et Christian qui ferme le footing. Christian de Croix. Voilà. À l'arrivée, donc on offre un ravitaillement. Donc j'ai mis pareil référent Roger, mais j'ai eu Daniel Jacquet qui n'est pas là ce soir, mais qui sera présent là, qui s'inscrit. Et les autres, je ne sais pas ce qu'il dit. Pour le footing, tu pourrais, toi, Michel. Tu me permets, je te compte dessus. On refait la tenture. Voilà. Le footing, tu te mets devant. Ouais. D'accord. Super, parfait. Donc je te noterai devant. Hein. Et donc les autres, je sais plus qui. Je pense qu'il y avait Michel Brochot, etc. Roger, t'avais qui d'autre dans les. Oui, il y a Michel, il y a Colette, il y a Christian. Donc il y a largement de place, je te dis le seul truc, ce sera de monter l'infrastructure et de la démonter dans la foulée. Hein. Ce sera le gros challenge. Alors, pour tout le reste, les autres postes, on a identifié le village partenaire, espace dégustation. Village partenaire, donc c'est un de plus en référent. Et voilà. Voilà. Donc, est-ce que tu peux être là pour aller d'avant les deux jours, le vendredi et l'après-midi, et le samedi? Hein, on fait ça. Et puis, concernant, entre guillemets, notre espace dégustation, on va pas appeler ça la petite muscine parce que c'est peut-être le club qui va encore un stand, on ne sait pas. Enfin bon. Philippe, Marie, vous pouvez faire sur les deux jours. Non, vous ne pouvez pas. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut, c'est calme, mais bon, ce serait bien quand même qu'on l'ouvre et puis qu'on regarde un petit peu ce qu'on peut vendre. On peut peut-être changer deux, trois trucs, on gardera ensemble, on peut au moins avoir un petit bouchon, enfin, je sais pas, il faut qu'on garde et puis qu'on ait deux, trois trucs. Regardez les tarifs, je vais faire un petit truc, quoi, qu'on peut voir la super. Et puis l'installation, on essaiera de faire, quand on peut, on essaiera de ménager ça un petit peu en avance. L'espace organisation bénévole, c'est là où vous allez manger, hein, ceux qui sont sur le forum, qui sont sur place. Vous pouvez aller manger là-bas, évidemment, le samedi midi, et pour ceux qui travaillent le vendredi, évidemment, le vendredi midi. Donc là, c'est Roger. On fait comme d'habitude. Roger, on prend des. Est-ce qu'on prend, comme on avait fait l'an dernier, crescendo pour le vendredi midi? Ouais, on prend la même chose. Et le reste, tu as normalement, Vincent, ce gérer, ça fonctionne. Donc normalement on a encore 250 repas, comme d'habitude, le vin on s'organisera. Plus les cartons. Plus les cartons. Voilà. On regardera ça, pas de souci. Consigne, alors on va passer dans préférence avec Gilles. C'est toujours ok. Et est-ce que t'as du monde, tu pourras donner les noms à Catherine? Ouais. Ça c'est bon. Consigne, donc l'heure, c'est comme l'an passé, 11h17h30, il faut être là un peu avant pour. Voilà. On essaiera de faire la même installation parce qu'elle était beaucoup trop mal, même s'il pleuvait, c'était. Ouais, donc l'an passé, elle était contente, Julie m'avait dit, nickel. La garderie, donc on a une garderie, et il y a de plus en plus de monde qui vient, hein, en gros 40 à 50 enfants qui sont dans cette garderie, donc là on les met dans le dojo, et on a deux employés municipaux de qui sont agréés pour. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Alors ensuite,
Donc, en référant Guy Ifomaël, avec un départ à 9h, on s'est mis d'accord. Je te laisse gérer les inscriptions au même endroit que d'habitude. On va monter, je ne sais pas quel temps on va monter, mais on en montrera une, en fonction. Je te laisse savoir si tu as tes bénévoles pour les inscriptions, le matériel qu'il faut, tu n'en parles pas, tu m'en prends un rêve, tu dis où il faut ça. Ravitaillement arrivé, c'est toujours Roger. Roger, le ravitaillement, c'est toi qui l'organise pour la randonnée. Arrivé, c'est au même endroit que d'habitude, enfin, où il y a les boissons chaudes, d'après-midi. Et puis, encadrement, oui, c'est pareil, je te laisse trouver. Je pense que tu avais du bon nom pour encadrer tout ça. Donc, tu donnes pareil des noms à Catherine. Comme ça, on peut déjà mettre des noms. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez les noms, vous nous donnez aussi les mails des gens. Comme ça, on peut faire. Parce que je vois que Fabrice est arrivé là-bas. Et Fabrice avait l'idée de monter un espèce de gros groupe de bénévoles qui puissent se partager sur plusieurs manifestations.